Horoscope Lion du 23 janvier 2024. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope et amour. Pour les natifs vivant en couple, ciel amoureux contrasté. D'un côté, Vénus bien aspectée va vous valoir des moments bien agréables. Mais de l'autre, cette position de Neptune sera apte à semer une certaine confusion dans votre vie conjugale. Vous serez plus exigeant en amour et vous n'aurez plus envie de faire des concessions. Célibataire, vous serez tellement sélectif que bien peu de personnes trouveront grâce à vos yeux. Pourtant, vous supporterez mal la solitude. Alors, si une petite amourette sans prétention se présente, ne la laissez pas passer. Horoscope Argent. Vous aurez une journée difficile à passer en raison de vos difficultés financières plus que probables. Mais ne vous affolez pas. Si vous essayez de résoudre ces problèmes avec calme, méthode et persévérance, vous pourrez vous en sortir honorablement. Ne comptez surtout pas sur le jeu, quelle qu'en soit la forme. Horoscope santé. Mercure vous encouragera à combattre votre sédentarité. Et si vous sautiez le pas pour entreprendre une activité sportive régulière? L'eau étant un élément très bénéfique pour vous, quelques longueurs de piscine, un week-end à l'assaut ou un bol d'air iodé devrait recharger rapidement vos accus. Pensez-y sérieusement, Mercure soutiendra vos efforts. Horoscope travail. Sur le plan professionnel, vous recevrez des propositions alléchantes. Mais ne vous décidez pas trop vite. Étudiez soigneusement chacune de ces offres avant de fixer votre choix. Vous pourriez faire fortune. Horoscope famille. Votre vie familiale sera sans histoire si vous parvenez à laisser vos responsabilités professionnelles ou vos émois sentimentaux en dehors de votre foyer. Et si vous ne mêlez pas vos proches, si vous êtes investi de responsabilités parentales, une décision concernant vos enfants risque de provoquer un désaccord entre vous et votre conjoint. Horoscope vie sociale. Avec Jupiter sous votre manche, un entrain inhabituel vous habitera. Vous drainerez derrière vous tous ceux qui ont besoin d'être rechargés. N'y perdez tout de même pas vos plumes.